ça va bien. Aujourd'hui, j'étais avec Mina, ma meilleure amie, et mon chat. Aujourd'hui, on a décidé de vous filmer, de faire une vidéo sur des tenues à porter pour le début d'école. Dans le fond, c'est le commencement de la série Back to School avec les tenues. Puis la semaine prochaine, ou... Ouais, go film, dans pas long, il va y avoir aussi une vidéo qui s'en vient avec les cheveux, là, des idées de cheveux pour Back to School. Fait que, on va laisser avec la vidéo! Donc pour le premier outfit que j'ai choisi, c'est vraiment un outfit assez simple que je mettrais pour une première journée d'école. C'est un chandail ligné qui vient de chez American Eagle. Les pantalons viennent de chez Simons dans la section Just USA. Mes souliers Vans gris, ils viennent de chez Globo. Et mon sac Jean Sport vient de chez Bentley. Pour le deuxième outfit, celui de Mélina, je trouve qu'il est quand même assez cute pour une belle journée un peu plus froide que les autres. Sa tuque vient de chez Ardennes, sa camisole blanche vient de chez Garage, sa chemise à carreaux vient de chez Garage aussi, ses pantalons ils viennent de chez Urban Planet. Pour ses souliers, ils viennent du magasin Converse de New York. Son sac vient de chez Victoria's Secret dans la section Pink. Sa bague vient de chez Pandora et ses bracelets de Forever 21. Pour le troisième outfit, c'est plus pour une journée qui fait un peu plus chaud ou que vous voulez simplement pas vous mettre en pantalon. Vous pouvez vous mettre une robe que moi qui vient du H&M. Mon coat jeans vient aussi du H&M. Mes Converse viennent du Globo. Et mon bracelet que j'ai, c'est celui que j'ai fait dans une autre de mes vidéos que vous pouvez aller voir. Pour le quatrième outfit, celui d'Emilina, c'est un peu du même style. Si vous voulez pas vous mettre en pantalon, au lieu de mettre une robe, vous pouvez mettre une jupe. Son crop top vient du Aéropostale à New York, son coach jeans vient de chez Gap, sa jupe vient de chez Simons, ses souliers Converse viennent de chez Converse à New York et sa bague vient de chez Pandora. Donc, pour le cinquième outfit, je porte un chandail qui vient de chez Urban Planet. Mes jeans viennent de chez Simons, puis je vous le dis, ces jeans-là sont faits pour ceux qui ont des grandes jambes. Ceux qui sont grandes, c'est génial. Mes sandales viennent de chez Spring, et le bracelet que j'ai, c'est celui que j'ai fait dans une de mes vidéos que je vais mettre en barre d'infos. Pour le sixième outfit, Mélina porte un veston qui vient de chez Simons, puis sérieux, j'ai vraiment le goût du voler, je trouve ça super beau avec les coudes tout détaillés, puis tout, je trouve ça super beau. Sa camisole blanche vient de chez Garage, ses pantalons beige viennent de chez Urban Planet, ses talons hauts, oh my god, sont trop beaux, ils viennent de chez Aldo, là je pense que je vais aller les acheter, mais bon. Ses bracelets viennent de chez Forever 21, ses boucles d'oreilles aussi viennent de chez Forever 21, et sa bague vient de chez Pandora. Pour le septième outfit, c'est plus un look plus sport si on veut. Je porte un chandail qui vient de chez American Eagle, puis ces chandails-là, je capote tellement les manches d'une autre couleur, je trouve ça tellement beau. Mes shirts viennent aussi de chez American Eagle. Mes souliers Converse viennent de chez Globo. Le bracelet que j'ai, c'est le mien que j'ai fait dans une autre vidéo. Et mon sac Jean Sport vient de chez Bentley. Pour le huitième outfit, Mélina apporte un coach jeans qui vient de chez Gap, une camisole blanche qui vient de chez Garage. Ses pantalons viennent de chez Garage aussi, puis oh my god, ils ont tellement de l'air confortable. Ses souliers viennent de chez Converse à New York, ses boucles d'oreilles du Forever 21, sa bague du Pandora et sa montre vient du Bisou.
Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez dire en commentaire quelle tenue vous avez aimé le plus ou celle qui vous ressemble le plus. Vous pouvez donner un thumbs up à la vidéo si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir toutes les nouvelles vidéos qui s'en viennent. Et peut-être voir d'autres vidéos avec. Fait que... Vous pouvez aussi nous dire dans la barre de commentaires. Dites-nous en commentaire, c'est quand vous commencez l'école, ça va vous faire plaisir de regarder ça et de passer dans le monde de l'école. Fait que c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez aimé et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!